on attaque plus tôt. On a déjà là, à l'heure actuelle, on a 3 semaines de pré-saison. Sur cette semaine de reprise, on est parti sur un travail, un développement de l'endurance de force sur une base de circuit training, entre autres. On travaille également à l'extérieur sur de la qualité, je dirais, de déplacement, de motricité, de dextérité, et puis sur des jeux. Là, on parlait donc, oui, en effet, de jeux liés au frisbee qui permet à la fois d'associer un travail cardiovasculaire, un petit travail d'appui, et surtout maintenir dans un premier temps, je dirais, un aspect un peu plus ludique avant le fait d'établir les tests, et je dirais un travail un peu plus carré avec des distances de course ou des objectifs clairement établis. La mise en place du nouveau centre d'entraînement permettra de travailler de manière déjà différente, c'est-à-dire qu'on pourra associer encore plus facilement le travail physique et le travail rugbystique. Un véritable avantage pour nous, à la fois en termes de confort de travail et d'efficacité de travail. Les attentes pour cette saison, pour la prépa, d'une part, c'est de garder un groupe très très homogène et avec un maximum d'envie tout au long de la saison, avec, je dirais, cette volonté de se professionnaliser encore plus et de trouver une entité et un caractère commun sur l'agressivité.